Benjamin Netanyahou calme le jeu. À l'occasion du traditionnel conseil des ministres ce dimanche, le chef du gouvernement israélien a écarté l'idée d'élections anticipées avant novembre 2013. « Je ne suis pas pressé », a déclaré Netanyahou. Pourtant, ces dernières semaines, sur fond de primaire au sein du Likoud et en prévision de celles se profilant dans la formation centriste Kadima, les rumeurs avaient enflé sur un possible scrutin anticipé. Reuven Rivlin, le président de la Knesset, avait évoqué des élections dans les prochains mois, suggérant même que les désaccords sur le budget 2012 pouvaient conduire à une chute de l'actuelle coalition. Reste que d'après les sondages, c'est toujours le Likoud qui devance largement les autres formations politiques israéliennes. Le parti de droite est crédité de 28 sièges.